Salut à tous et à toutes et aux autres aussi hein. On ne laisse personne sur le bord de la route. Bonjour Pierre Cross, toujours un enchantement de vous recevoir et bienvenue pour la première fois dans ce beau studio. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on est en face, mine de rien, mais on se voit jamais. Tant mieux. Mais quoi ? Donc aujourd'hui, on se voit pour une Coupe du Monde qu'on affectionne beaucoup. De toute façon, les Coupes du Monde sur ta chaîne, je les apprécie. C'est... Autant les karaokés du monde, je trouve pas ça terrible. T'es pas obligé de... les jeux. J'ai l'impression que tu vas citer toutes les vidéos. On va faire une Coupe du Monde, et pas des moindres, comme on dit dans le milieu. Aujourd'hui, la... Ah non, il a pas fait le mime de la guitare. Si, si. Ah, il a fait le mime de la guitare pour mettre de l'ambiance. Aïe, 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 aïe. Si, si, j'ai fait ça. Aïe, aïe, aïe. C'est grave. C'est tellement grave que j'ai envie de partir sur une Coupe du Monde des pires mecs qui mettent l'ambiance. Parce que entre celui-là et celui-là... Ah bah, j'allais faire le savoir. Si t'avais pas arrêté, je le faisais. Ah, une Coupe du Monde des pires membres de la famille. Ce n'est pas nous qui décidons. Ce sont des votes sur Instagram qui vont décider par des sondages. C'est Instagram. Instagram. Très très belle Coupe du Monde en perspective. Universelle, universelle Benjamin, parce qu'elle parle à tout le monde a une famille. À part Rémi. C'est pire ça ou c'est pire la guitare? On a essayé de prendre, je crois, Benjamin, à peu près tous les membres d'une famille classique. Les pires. Et en plus, à l'approche des fêtes de Noël, ça parle un peu plus parce que forcément, il y a du rapprochement familial. Et tu oublies ceux qui devront faire également le réveillon de fin d'année avec la famille. En plus, voilà, parce qu'il y en a, il y en a, on en a tous déjà fait. Est-ce qu'on n'entrerait pas dans le vif du sujet avec les concurrents? Les différents membres. Aujourd'hui, on va partir sur un quart de finale directement. Oui, tout à fait. On a pris... 8 personnes de la famille, c'est ça. Je pense que certains vont reconnaître des membres de leur famille. Certains vont reconnaître 8 membres de leur famille. Certains vont se reconnaître eux-mêmes. On enchaîne avec le premier, Pierre. Premier. J'annonce la mère. La mère qui sort des photos de toi enfant à chaque gros repas et qui raconte à tout le monde des dossiers d'ado. Elle montre la photo. Ah, ça me rappelle l'époque où en classe il avait fait ci, il avait fait ça. Je vous ai pas montré, donc elle a encore les photographies dans un classeur. Et puis là, bah, c'est caca sur la couche. C'est le moment donné où t'es comme as à 8 ans. Je vous ai pas raconté quand on était à Noël qu'il a eu le zizi tout dur devant la famille à 13 ans. Quoique maintenant, ça va être encore pire parce qu'avec des parents un peu connectés, ça doit être téléphone qui renvoie sur l'écran 4K. Un très bon compétiteur. Peut-être qu'elle perdra des points par l'affection qu'on lui porte. C'est ça. C'est ce que je pense, c'est que la mère, le père, c'est par définition les membres un petit peu fétiches de la famille. Deuxième compétiteur, Pierre, je vous laisse annoncer. Ah, celle-là, elle est tout aussi compliquée parce qu'en termes d'affection, c'est le personnage le plus symbolique d'une famille. Bien sûr. Mais c'est aussi des fois... Des grosses skills en termes de chiant, des fois. Par contre aussi. Donc c'est la grand-mère. La grand-mère qui te prépare un repas pour 20 personnes, toujours énormément de nourriture. Et qui te demande pour la 37e fois si tu reveux à manger. Voilà. Parce qu'elle veut absolument te moins frais. Et sûrement que si t'as pas faim, c'est que t'es malade ou que ça va pas. Alors qu'en fait, tu es à peu près à 18-19 points de diabète sur le bras gauche. Troisième concurrent, et là on rentre. Peut-être bah, les concurrents un peu plus tricky, plus fourbes. Là c'est la Croatie pour moi. La tante. La tante qui a un duvet barbelé qui te griffe à chaque bise et qui te demande encore et encore qu'est-ce que tu fais dans la vie, où t'en es au niveau des études. Voilà, parce qu'elle n'a rien à te dire. Elle a toujours pas compris que t'étais au chômage depuis 4 ans. On arrive, la pierre, je vais te laisser énoncer. Alors, comme d'habitude, on ne prend pas parti. Là, on est sur le gagnant de l'édition précédente. On est sur un champion titré. On est sur un mec qui a des étoiles. C'est l'oncle raciste qui fait les mêmes blagues douteuses depuis 20 ans, qui toujours sous prétexte d'humour permet toutes les atrocités et qui te demande toujours aussi si t'as un copain, une copine. Voilà. En te faisant un petit coup. Ah bah. Là, on est un peu complice. C'est son coup franc à lui. Lui, il est toujours à côté de toi à table parce qu'il veut être cool, il veut être à côté des jeunes. Pour moi, s'il n'atteint pas la finale, c'est une déception cette année. Parce que lui, il a deux skills. On va pas se mentir. Il a je suis lourdingue, je suis douteux avec mon humour. Et puis, dès que je bois un peu trop de pastaga, bon bah là, le racisme, la politique. Là, on entend ça. Il est aussi bon en défense qu'en attaque. Oui, c'est ça. Le compétiteur suivant, on arrive également sur un pilier. On est sur le père. Le capitaine de famille. Le capitaine, c'est le père. Beaucoup trop fier de toi. Beaucoup, beaucoup trop fier de tout ce que tu fais et qui te demande à chaque fois de montrer ce que tu sais faire, c'est-à-dire les trois accords de guitare, la médaille de ping-pong. Il est. Montre. Moi, c'est mes parents. Ça. On est sur Monsieur Cross. Ah oui. Non, mes deux parents. Ils voulaient absolument, à chaque fois qu'il y avait une réunion de famille, que artistiquement, je leur montre quelque chose. Tu es fier de quoi?
Un spectacle de danse sur les To Be Free. Parti un jour sans retour, effacé. Comme ça. Je suis désolé, c'est. Devant toute la famille. Dans les Coupes du Monde, ça arrive, c'est ce qu'on appelle des dérapages. Il a un point faible, c'est l'affection également, parce que là, on est que sur de la gentillesse. Ouais, et puis même le fait qu'il soit fier de toi, qu'il te demande de montrer les choses, c'est gentil. Je te laisse annoncer le compétiteur suivant, Pierre. Ben, c'est un essential, c'est un basique. Mais aussi très important, bien sûr, c'est le petit frère. T'es prêt? Excusez-moi. Petit frère ou la petite sœur d'ailleurs, ouais. Qui fait le malin quand il y a du monde, qui fait toujours. Aïe. Tu le fais très bien. Le coup des sourcils aussi peut-être? Ah ouais. Enfin bon, il y a toute une panoplie. Beaucoup de skills. Hein. Ouais, il me faisait ça qui m'énervait. Mais même moi, je le connais pas trop, ça m'énerve. Qui par contre fait beaucoup moins le malin, qui crie à l'aide dès que tu l'as coincé dans ta chambre. Mais moi en plus c'était mon grand frère, donc je pouvais pas me venger physiquement parce qu'il était plus fort que moi. Ah donc en fait tu perds sur tous les niveaux toi, d'accord. Tu te fais humilier physiquement. J'ai essayé une fois de le taper avec une épée, c'est l'épée qui a cassé. C'est Game of Thrones là ton enfance ou quoi? J'essaie de le taper avec une épée. C'est la montagne ton frère? Non mais on était dans l'arène. Et en fait celui qui gagne, il venait roi. D'accord. Là on arrive également sur un gros concurrent. On arrive sur une personne. Pour moi c'est les Pays-Bas, c'est un pays qui a toujours été dangereux. Mais ça a pas gagné parce que pas la bonne année à chaque fois. Ou alors des concurrents plus forts. Contre le Brésil en demi. Quant à l'oncle qui fait pour la énième fois la blague sur les trois putes qui ont les culottes sales. Bah derrière. Je connais pas, mais... Le grand-père qui a une haleine de 1789 et pour qui on manque d'une bonne guerre pour recadrer tous ces jeunes. Tout se résout avec une guerre mondiale minimum. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les seules personnes qui ont vécu les atrocités de la guerre disent que c'est quand même une soluce à la fin. C'est les seuls qui la revolent. Hein. Dernier membre, Benjamin, qui lui est un peu plus subtil peut-être. Il est important, il est atypique. Il est atypique, il a un jeu beaucoup plus subtil que les autres. C'est le parrain. Déjà le parrain, c'est le parrain, tu comprends pas le lien de parenté. Parce que c'est pas ton oncle, c'est pas le frère de ton père. Mais t'as jamais compris si c'était le meilleur ami de ton père. Ouais, mais qui est sorti à un moment. Il est sorti avec une de tes tantes, non? Ouais. Mais tu comprends pas. Ouais, toi, ils ont choisi ce mec. Il était au bon endroit au bon moment, il est dans la famille. Il s'est placé dans l'église, tenez. Et il sait toujours tout, surtout. Aïe. Vous voyez celui-là, moi dans mes votes, hein. Lui il va en demi. Il est là et c'est lui qui a certainement inventé l'expression moi perso, moi je. Ah bah oui, c'est celui qui veut montrer son break. Il est garé dans l'allée, tu veux le voir? Non. Bien sûr. Non. Ah bon? Ça prend 2 minutes. Tu vas voir, regarde. Tut tut. Ah ouais, eh bien. Voilà pour les concurrents de cette compétition. Une compétition qui s'avère très serrée. Elle va être serrée, elle va être intéressante. Et surtout donc là on va faire un petit tirage au sort. On va faire les Storax qui vont permettre de donner les matchs sur Instagram. Et vous allez décider, c'est également votre Coupe du Monde. Ça y est, c'est effectué. Les stories ont été lancées. Les réponses sont là. Et nous vous affichons également le tableau avec tous les matchs, c'est une vraie Coupe du Monde. Hein. C'est parti, results. J'ai ici mon dénommé téléphone portatif. Et c'est pas. Alors, c'est parti. Ouais, mais c'est nul. Premier match, Pierre, tu nous le rappelles très très vite, très très succinctement. La mère contre le petit frère. La mère contre le petit frère. Extrêmement serré. Victoire de la mère à 51%. Le petit frère éliminé sur le fil du rasoir. Comme quoi, les gens ont également dit que le pire, c'était quand même les dossiers, les photos du collège avec ta peucou en palmier que t'as pas envie de montrer forcément. Deuxième match, Kakros. C'était un match totalement masculin. Ce sera le seul match pas mixte de cette compétition, Benjamin, je rappelle, puisqu'il s'agit du parrain versus le père de famille, le capitaine. Ça va être serré. Le père, c'est trop d'amour. C'est trop de. Guillaume, il y a tellement d'autorité. Mais. Oui. T'as même pas envie de le virer de ce tour. Oui, bah. Quand tu t'en souviens, tu te dis, il te voulait que du bien, il était tellement fier. Alors que l'autre, qui veut absolument montrer sa nouvelle Skoda à chaque fois, qui te voit, et t'en as marre. Je t'ai connu, t'étais comme ça, tu te rappelles pas de moi? Je te prenais dans les. T'en as marre, je ne te reconnais pas. Bon, fais pas le timide, je t'ai vu faire caca devant moi. Aïe. Moi, je pense que c'est le parrain qui va gagner. Serré, très. Mais des matchs. C'est une Coupe du Monde. C'est les matchs les plus serrés pour l'instant. Cette fois, des membres moins proches. On a eu la mère, on a eu le père. Maintenant, on est sur la tante et le grand-père. Intéressant, match atypique aussi. Pour moi, le match le plus technique. Dans les très deux cas, on sait que c'est des potentiels finalistes. Il y a la tante qui pique, le grand-père qui pue un peu. Les deux ont chacun. Il y a les aspects physiques aussi. Hein. Déjà, quand tu rentres sur le terrain.
C'est le black. Un charisme. Tu préfères la bise de la tante qui pique, la discussion avec papy qui pue. Comment tu gères l'affrontement? J'ai plus d'affection automatiquement pour le grand-père. Ah oui. Oh bah tu vois, moi, Moi équilibré. Mais on a qui sur le prochain match? Bah la grand-mère et l'oncle, des potentiels finalistes, on le sait. Très déséquilibré pour moi. L'oncle ne perd pas face à la grand-mère. L'oncle est trop puissant, voilà. Après c'est le jeu, hein. On a 78-22. Bah oui, mais oui. Le match était fait. L'oncle c'est le Neymar pour moi, il est technique, il est rapide. Il est physique, hein. Pierre, tu nous annonces les demi s'il te plaît? Bah, les demi c'est féminin et masculin, donc au moins on aura une finale mixte, c'est sûr. Très bien. C'est la mère contre la tante versus le parrain contre l'oncle. Oh le gros match. Deux gros matchs, ça annonce une finale mixte, c'est excellent ce qui va se passer. C'est excellent ce qui va se passer. Ça, les tickets se vendent très cher. Aïe aïe aïe. C'est déjà soldat. Je crois, ça a été à peine annoncé que c'est soldat. De toute façon, les tickets se vendent avec un apéro là. Ça part en Instagram, ça part en vote, ça va être très très lourd. Pierre, je veux pas faire de vidéo avec ce genre de type. Pierre, nous nous retrouvons pour les demi, donc bien évidemment, deux matchs. Je pense que là, il faut enchaîner. Tu sens cette tension qui monte ou pas? C'est la mère contre la tante, c'est de la violence, ça va se rendre coup pour coup, ça va rien lâcher sur le terrain. Je pense que la mère, elle est solide grâce au dossier. C'est pas forcément le personnage de la mère, c'est plus le fait qu'elle balance des dossiers. C'est sa phase en 4-4 dossiers, quoi. C'est parti. Allez. La mère, la tante, qui de quoi? Oh non! Oh la surprise! Il y a une surprise qui a été créée là. Et c'est pour ça que j'aime la Coupe du Monde. C'est ça la beauté de ce sport. C'est pour ça, c'est que j'aime bien. C'est qu'on est sur une victoire de l'attente à 53%. C'est le duvet qui a fait la diff. Ah bah c'est la griffure à chaque bise, hein. Et encore, on a dit duvet pour être gentil. Il y en a qu'on le poids. C'est mature. Avec les trois poils bien noirs. Tu sais ce qui arrive, c'est le match, c'est Coupe du Monde, dimanche soir, 21h, où t'attends ça depuis samedi. C'est en plein été, il fait encore jour mais plus chaud du tout. 19 degrés, rien qu'aux hymnes nationaux, parce que c'est quoi l'hymne national de l'oncle? C'est Patrick Sébastien. C'est Patrick Sébastien, bien évidemment. Et une petite pipe avant d'aller se coucher, face... La main sur le cœur, frère. Non, la main sur la bite, forcément c'est bon. Et l'hymne du parrain, c'est... En fait, c'est la liste de tout ce qu'il a acheté ce mois-ci. Break, Skoda, nouvelle chaîne stéréo, la cuisine équipée, la salle de bain refaite, avec également, j'ai emmené les gosses à la piscine, l'aspirateur sans fil. Oh, ah, le c'est écrasant. Oh, le 4-0. C'est écrasant. Non, 4-1, oh, 4-1 quand même, il s'est défendu, mais... C'est une fessée, il s'est pas défendu. La finale, qu'est-ce qu'elle annonce? Regarde bien quand tu vois ça et ça. Oncle tente. Qui, pour la nuance, ne sont pas mariés. Sinon, il y a un combo fatal. Si tu me dis que c'est sa femme et c'est le mari... Que t'as un seul oncle et une seule tante. Et c'est eux, là t'arrêtes les repas de famille. Eh bien, c'est la finale, Pierre. C'est la finale. J'ai bien peur que l'oncle soit trop fort. Les mots sont lâchés. Je veux pas diminuer le talent de la tante, qui peut, en offensif, être chiante et répéter trois fois la même question. Elle a aussi cette force. Bon, on va quand même jouer la finale. Elle doit être jouée. Elle a été surprenante face à la mère. Elle peut peut-être créer une surprise en finale. On va voir ça tout de suite. C'est parti pour la finale. Pierre. On arrive au terme d'une belle compétition. C'est une belle compétition. On le dit souvent. Je pensais pas que cette compétition allait avoir autant d'émotions, autant de rebondissements, autant de surprises, autant de matchs serrés. Et autant de fois le mot autant. Ce qui est quand même une belle perf. L'oncle, est-il besoin de rappeler les deux? Le palmarès, on parle même de palmarès, tellement c'est fort. Bah on est sur les blagues douteuses, ça c'est imparable, imparable. C'est lui le spécialiste. Quel est le point commun entre les grosses femmes et les pantoufles? Je sais pas. Eh bien c'est qu'on est bien dedans, mais on n'ose pas sortir avec. Excuse-moi, j'ai pas fait le... voilà. Et il y a également quoi d'autre? Il y a également, tu sais, comment elle fait la pute à l'œil de verre pour te sucer en sifflant la Marseillaise? Eh ben elle enlève son œil. On est en fin de repas. Excusez-moi pour ce qui vient de se passer. On est dans la compétition. T'as les vannes et le tour de l'oncle. Et toi t'as la moustache de la tante. On représente les équipes là. On est là. C'est comme si on achetait les maillots de match. Mais c'est ça. On est dans le coin merchandising. C'est supporter là. On arrive au moment fatidique. Oh aïe. Oh là, c'est le plus gros déséquilibre. C'est le plus gros score. C'est 71-29. Là, c'est du 4-0. J'ai peur de le dire, mais il n'y a pas eu match. Tu crois vraiment qu'en face du monstre, du monstre sacré, il est quand même parti bourré? On l'a pas dit, mais... Il a conduit.
Il a conduit. Parce que lui, il dit pas je me suis fait flasher. Il dit au pire, si je me prends une photo, bah je sourirai. Encore un grand merci. On se revoit très très vite autour d'une vidéo de type qualitatif. Mais laisse les dire, non, oh, je veux pas qualitatif. Laisse les dire chez eux, comme en concert. Allez, on se retrouve prochainement pour une vidéo de type.